First one is easy. Don't rely on tablature for everything. Because you end up playing the way a parrot talks. All you can do is play what's in the tablature. If you train yourself to use your ears so that you can copy the music around you, then one day when you need to write your own music or improvise, you can copy the music you hear in your head just as easily. Amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous en avez marre de vos plans pentatoniques que vous sortez à toutes les sauces, mais moi c'est pareil, donc ça veut dire qu'il est temps de choper un peu de nouveau vocabulaire, et quoi de mieux que ça, de choper des plans du maître de Guthrie. Donc on va faire la petite vidéo qui a 16 ans maintenant, hein, B.B. King style, c'est un Three Days Gone en fait, donc pour la grille, c'est comme un blues mineur, 4 mesures de ré mineur, 2 mesures de sol mineur, re 2 mesures de ré mineur, 7. Et pour la dernière ligne, on va avoir si bémol 7, la 7, ré mineur. Et à la fin, il y a une petite relance do, la, avant de repasser sur le début de la grille. C'est parti, on écoute à 0,75 de la vitesse et on essaie de repiquer les phrases petit à petit, quoi. Bon, déjà, les déplacements sont hyper optimisés. Ça groove, gros feeling. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait... Alors... Donc on est sur un ré mineur. Donc il approche la tonique par la septième mineure, pardon. Tierce. Neuvième. Et encore tierce. Donc en fait, il tourne autour des notes de l'accord dans la box 4 de la pinta. Je crois qu'il commence en hybrid pick. Ouais. Et ouais, deux fois, et après il reprend le médiator. Ouais, et là il reprend, ok. Donc ça fait... Déjà là, vous manquez de vocabulaire dans la box 3, bah regardez ce qu'il est en train de faire là. On va le réécouter quand même. Ouais, ça, il aime beaucoup ça. Donc position en triangle, retour du doigt 2, je vous en ai déjà parlé. Donc utilisation de la blue note. Ouais, je crois que c'est ça. Je remets avant. Là, il recommence. Et je crois qu'il y a une petite ghost note qui se cache. Voilà, ici. Donc. Après, il n'utilise pas l'hybrid ping, il va faire... Donc, il y a trois phrases en fait en une. Là, il y a un hybride avec une ghost. Et après... Je crois que c'est ça qu'il fait. Hein. Voyez sa position en triangle comme ça, il le fait tout le temps ça. Alors on réécoute. Donc. Je crois que c'est ça. Allez, on essaie.
essaye tous les plans. Donc, démarrage du premier plan, j'ai remarqué là, il démarre pas sur le premier temps. Il laisse passer l'accord et il commence sur le troisième temps. Hein. Écoutez bien. Voilà. Donc, nouveau plan. Donc là, il y a un double stop, je crois. Ah, ok, le double stop est sur les cordes de sol et si, je pense. Ouais, c'est ça. Là, j'ai l'impression qu'il slide avec le majeur à partir de la blue note. Ouais, je crois que c'est ça. Le déplacement est génial. Comment connecter la box 4 à la 3? Bah voilà, vous avez un exemple parfait là. Donc cette phrase encore une fois. Juste avant, pardon. Ok, est-ce qu'on peut rajouter ça? Je sais pas ce qu'il fait, faut que je réécoute. Ah, en fait, il fait un saut de corde. Ouais, c'est comme s'il utilisait sur le sol mineur un arpège de si bémol maj 7, mais il saute le ré, la quinte en fait, de l'accord de sol. Ouais, c'est ça. Petit bluesy bend. Ah ouais, et il tient le bend. Et il s'échappe avec l'index. Bon, ça c'est pas dur. Ok, donc ça ferait... façon dont il bouge par contre c'est super clean quoi. Donc je refais cette phrase. Bon ça c'est facile. Ouais, il manque une note. Ouais, il est très légèrement. Ok, ça c'est un classique. Ouais, c'est quand on bend. Pour faire crier un peu la guitare, quoi. Alors, cette phrase. Monstrueux cette phrase. Ouais, là je crois qu'on va ralentir encore un peu. On va mettre à 0,5. Ok. Fa, la, do, mi. Mais le bend en fait. Ok, c'est un arpège de... Ouais, c'est un arpège de Fa maj 7.
Donc contre le ré mineur, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne en fait tierce, quinte, septième mineur, neuvième. Ça c'est intéressant. Donc le petit concept qu'on peut retenir, c'est que sur un accord mineur 7 donné, on joue un arpège maj 7 à partir de la tierce mineure de l'accord. Donc ré mineur 7, tierce mineure de l'accord de ré mineur 7, fa, arpège de fa majeur 7. Sauf que lui, il le joue sur deux cordes en fait, il fait un petit peu genre un peu genre de truc, mais et là il va, ouais, il fait un gros démanché un peu slidé quoi. Et après c'est chromatique. Ça. Vérifions. Là, il y a un hybride pic là. Vous l'avez vu là? Ta-da. Ok, donc pour récupérer le hammer du Do vers le Ré. Ouais, là, moi j'ai un peu bourriné, hein. Mais bon. Et après, il doit démancher. Ouais, c'est ça. Alors je m'aide un peu de ses doigts aussi en regardant, hein, bien sûr. Donc la fin de la phrase. Cette phrase géniale. Elle est encore une fois parce qu'elle est pas facile. Putain, super. Est-ce qu'on peut se refaire ça? Allez, je tente à 0,75, mais bon. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, si vous voulez choper des nouveaux plans, mais écoutez-le improviser, sérieusement, quoi. Il y a tout. Alors, là, j'ai l'impression qu'il fait un bend avec un seul doigt. Ouais, c'est ça. Donc la box 5. Et alors, c'est marrant parce que dans son petit masterclass bending, pour ceux qui l'ont vu, il dit que c'est pas bon de bender avec un doigt. Il vaut mieux répartir la charge avec plusieurs doigts. Mais lui, il le fait quand même. Ouais, moi, je vais le faire avec ce doigté, je pense. Avec des pull-off. Lui, je pense qu'il doit faire un plat du doigt, à mon avis, sur le troisième doigt ici. Ce qui est difficile à faire pour moi. Ouais, vous voyez là, il fait un plat du doigt avec le 3 là. Ah, et il finit. Bon, je crois qu'il fait avec le 3 lui, mais... Ok. Cette phrase, c'est pareil, c'est l'orgie. Alors, peut-être on va la remettre un peu plus lentement aussi, celle-là. Et après, je vais peut-être finir la vidéo, sinon ça va être trop long.
Alors c'est un peu plus loin. Ouais, ça arrive. Bon, donc là on est sur la pentade ré, première box. Je crois que c'est ça les trois premières notes. Bend, release, pull off. Là, j'ai loupé la note là. Ok, d'accord. En fait, il vient altérer la pinta de ré mineur avec ce do dièse, et ça a du sens puisque c'est la tierce majeure du la 7. Ça, c'est pas facile. Ah, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas facile, ça, hein. Dernière partie de la phrase, pareil. Voilà, regardez bien là. Qu'est-ce qu'il fait là? Oups, pardon, je remets la cam. J'espère que vous voyez toujours. En fait, il attrape deux cordes en même temps, avec trois doigts, hein, pour bien avoir ce son un peu crado là. Comme une espèce de pinta dorienne. Et après, il va enchaîner une série de pull-off à une vitesse encore. Même à... On va remettre à 0,5, je pense, parce que là... Mais c'est déjà à 0,5, Roman. C'est tellement rapide. Ah ouais, il démanche après. Putain, cette phrase, elle va être pas facile à choper, mais... voyez le niveau musical du type quand même, c'est quand même incroyable. Imaginez que c'est quand même improvisé quoi. Putain, mais rien que ça, c'est... vous faites ça dans une jam, même juste ce plan. Pff, incroyable. Alors ça c'est quoi? Ah oui d'accord. C'est pas trop dur. Est-ce qu'on peut tous refaire à 0,5, voir une fois? Thank you.
du boulot, hein. À 0,75 juste pour finir éventuellement, même si ça sera pas parfait. Et je vous laisse avec ça, franchement, choper ses plans ou d'autres, hein, si vous voulez, mais vraiment, il n'y a rien de mieux que d'utiliser un peu ses oreilles. Et puis regarder avec les vidéos, quoi. C'est pas mal de voir les doigtés utilisés, hein, par les gars qui jouent. Allez, 0,75 et puis on se quittera avec ça, je pense. Phrase, vraiment, je pense qu'il va falloir que je la bosse. Ah, c'est génial, hein, la façon dont il altère un peu la pinta, mais je pense que je n'y arriverai pas tout de suite. Mais bon, en tout cas, les déplacements sont géniaux, je trouve, quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura motivé à repiquer aussi vous-même vos guitaristes préférés et puis bon, peut-être aussi cette... quelques plans de cette vidéo qui sont vraiment, vraiment très sympas quand même pour connecter box 3, 4, 5 et 1 aussi dans un contexte de blues mineur, quoi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je remercie au passage tous les nouveaux abonnés et les gens qui ont fait des petits commentaires bien sympas sur les dernières vidéos. À bientôt, ciao.